Nous sommes fiers de vous accueillir ce matin à cette cérémonie marquant l'intégration des Forces armées d'Haïti de 15 nouveaux cadres ce matin, 14. Médecins, ingénieurs, agronomes et autres, et des 250 soldats de la nouvelle génération, aujourd'hui 248. Dépourvus de moyens, puisque ne disposant pas encore de budget, nous avons été entraînés par le ministère de la Défense dans son opiniâtreté, sa détermination, sa témérité même, à matérialiser un agenda établi conjointement avec le ministère mexicain de la Défense. Pour arriver au rendez-vous d'aujourd'hui, le cheminement a été pénible. Les conditions ont été extrêmement difficiles et il a fallu l'esprit de sacrifice d'officiers et soldats de l'ancienne génération qui ont pris le relais des formateurs mexicains à qui il a été confié la formation initiale de ces soldats. Nous prenons plaisir à saluer en passant la disponibilité, le dévouement et le professionnalisme de ces militaires étrangers. De même, nous ne voulons pas passer sous silence la contribution de l'ambassadeur Guy Lamotte qui n'a pas ménagé ses efforts.